Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour terminer la page 5 de l'album The Provence Weekend avec la collection Alchemy of Art pour mon partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Donc on en est à coller les papiers décor sur la 5e page. Alors on est parti. Alors vous vous souvenez qu'on avait, je vous avais expliqué au départ de cet album que je faisais une page, on avait du papier mauve et jaune. J'ai fait une page mauve, une page jaune, une page mauve et une jaune. Et la cinquième, donc, est dans les tons mauve et du jaune à l'intérieur. Enfin, jaune. Dominance jaune-marron à l'intérieur. Donc, pour le dessus de cette page, j'ai choisi celui-ci. Un papier qui n'a encore pas été mis sur les autres, bien évidemment. Alors, j'ai pris ma page entière pour faire mon rabat. Et j'ai utilisé ce papier également au dos et la chute que j'ai utilisée du dos, j'ai coupé cette partie pour mettre sur le rabat qu'on a au dos, voilà, comme ceci. Et la partie de droite, je la récupère pour venir remettre ici. Et ainsi, je finis mon dessin, même s'il est coupé par la dentelle. Ouais, c'est le dessin qui va là, voilà. Ce morceau-là vient ici. Ainsi, on a l'impression d'avoir la continuité du dessin malgré le rabat. Ça, ça va au dos. On va déjà faire le devant, on passera au dos après. Hop. Alors, on va commencer peut-être ici par l'extérieur. Je vais retirer tout ça pour ne pas être gêné. Voilà. Alors, on va coller le papier du dessus. Alors, comme notre rabat était un tout petit peu plus court, vous vous souvenez, j'ai coupé mon papier à 19,8, je crois, ou 19,9. Non, même pas, à 20 cm. Il fait 20,3, j'ai retiré 3 mm, puisqu'ici, on avait retiré un petit peu du fait qu'on a le rabat. Donc, il est coupé à 20 cm. Et la hauteur, bien évidemment, on la conserve. Donc, on a retiré juste 3 mm. On lui permet d'enlever la protection du score tape. De mettre un petit peu de colle devant l'aimant comme d'habitude. Tenir mon rabat pour pas qu'il se relève. Voilà. Et on encolle notre papier. Pour celles qui utiliseraient un autre papier, la taille c'est 20,3 par 20 pour celle-ci, puisqu'on a retiré les 3 mm. Voilà, et on vient se centrer sur la page. Ouvrir ma page pour pouvoir encoller mon papier correctement. Voilà. On va venir encoller directement celui du petit rabat. Je le mets comme ceci. Par contre, il ne faut pas que je me mette à l'envers. Oui, comme ça. Je me mets dans l'autre sens. C'est pour ne pas que vous ayez ma tête dans le champ. Et là, on s'aligne sur notre bordure dentelle et on se centre, bien évidemment. Je vais me remettre tout de suite dans le bon sens pour être aligné avec celui du dessous. Je remonte un petit peu.
me remets à plat pour bien en coller mon papier. Voilà. Ici, alors je vais en coller en même temps mon ruban de façon à ce que il soit bien collé sous le papier quand même. Sinon mon ruban ne va pas adhérer. Un petit bout de scotch-tape pour le maintenir. Pour maintenir mon ruban qui ne bouge pas quand je pose mon papier. Voilà, alors là, ma petite bande qui va avec le papier à l'intérieur. J'ai utilisé une chute pour ne pas recouper dans une page. Ah, je crois que je ne vous ai pas donné la mesure de la chute. 4,5 de large. La hauteur, ben, elle ne change pas. C'est la hauteur de notre page, 20,3. Et en largeur, elle fait 4,5. La colle sur le ruban pour qu'il adhère bien au papier. Et là, même chose, je me mets au ras de ma bordure dentelle et je me centre dans la hauteur. Bon, j'espère que j'arrive à l'encoller parce que le ruban plus l'aimant. Ça m'a l'air de prendre la colle. Voilà, le dessus de notre page, c'est fait. On va passer à l'intérieur. Alors, sur notre page de gauche, j'ai choisi de mettre ce papier. C'est celui qui s'adaptait le mieux puisqu'on a un espace en haut et en bas. On a le dessin qui tombe pile poil à l'extérieur de notre bande passante. Donc on met celui-ci et ici on aura, comme dans les autres pages, une dominance jaune et une dominance mauve. Ça va se mettre comme ceci. Alors, on va déjà en coller celui de gauche. Et on n'oublie pas de coller la petite patte en même temps. Je positionne mon papier sans le fixer pour venir coller ma petite patte en même temps à l'intérieur. On va faire que je ressorte un tube de colle. Avant
de fixer, je vais vérifier que je suis droite, dès que j'aurai trouvé ma règle. Alors là, je suis à 5,3, presque 4. Voilà. Normalement, 5,4, parfait. Maintenant, je peux fixer mon pli et mon papier. La même chose, j'ai recoupé mon papier à 20 cm. Ça faisait 20,3 le papier, on a coupé à 20. Comme celui du dessus, bien évidemment. On a la même taille de papier dessus comme dessous. Alors, sur ma bande du milieu, je n'ai pas voulu réentamer une page. Ça, c'est la découpe d'un papier que j'utilise pour l'autre côté. Je ne voulais pas réentamer une page, donc je mets la découpe ici. Alors, certes, il aurait fallu logiquement... Il me fallait 9 cm si ma mémoire est bonne, puisque là on a 9,5. Vu qu'on retire 5 mm au papier, il aurait fallu retirer 5. Et là, au lieu d'avoir 9, j'ai 8,9. Il manque 1 mm. Je me suis dit pour 1 mm, c'était dommage d'aller recouper une page. On aura un petit peu plus de matage mauve sur ce papier, mais ce n'est pas bien gênant. Plutôt que d'aller recouper une page, on a le même papier, mais en plus gros. Voilà. C'est la chute de l'autre page, d'une page précédente, je crois. Non, de l'extérieur, du papier extérieur, pardon. Je suis en train de dire une bêtise. C'est la chute du papier que j'ai coupé pour le dos de cette page. Je m'aligne avec celui-ci, bien évidemment. Et je me centre sur ma bande passante. Voilà. Et à cet endroit-là, c'est pas bien gênant qu'il y ait un espace mauve un petit peu plus large en matage. Après, si ça vous ennuie, vous pouvez toujours choisir un autre papier. Moi, je n'ai pas voulu couper une page juste pour une bande. Voilà. C'est le papier qui est, c'est ce papier-là en fait qu'on retrouve là. Alors, page de droite. Alors, souvenez qu'on mettait ce papier-là. J'ai préparé ma découpe à l'intérieur. Vous vous souvenez, on a une cascade. J'ai choisi donc celui-ci et j'ai positionné et coupé déjà mon marquage. Alors, je vous donne les mesures pour couper. Alors, votre papier, il va à l'endroit, vous le retournez tête en bas de façon à avoir, puisqu'ici, on va avoir un espace photo en haut, un au milieu et un plus bas, en décalé comme ceci. Donc, à ce stade, moi, je retourne le papier devant moi, au bord, pour que vous ayez le haut du papier à l'envers devant vous. Sur le bord du papier, vous faites un tracé à 1 cm en bas et en haut. Et sur les côtés, 1,5 cm, faites un repère, vous tracez. 1,5 cm, faites un repère, vous tracez. Ensuite, sur cette bande de, sur ce tracé d'un centimètre et demi, vous venez mettre votre espace photo sur les 1 cm et sur les 1,5. Vous faites un petit repère pour vous dire jusqu'où vous devez prendre, c'est-à-dire sur les 16 cm. Ensuite, sur le repère de droite, sur votre ligne de 1,5 et la ligne de 1 du bas, mettez le deuxième rabat et pareil, vous venez faire un petit repère en haut au crayon pour dire qu'on doit fendre jusqu'ici. Ensuite, il nous reste à mesurer l'espace entre les deux pour avoir un espace régulier. Donc, un marquage à 1 cm du bas, du haut, 1,5 sur le bord gauche. Du bord de votre papier jusqu'à la deuxième fente, il vous faut 4,6. Et du bord jusqu'à la troisième fente, 7,8.
1,5, 4,6, 7,8. Pour la hauteur, on a 1 cm juste devant nous sur le bord en bas, 2,1, c'est le repère de la deuxième découpe, et 3,2, c'est le repère de la troisième découpe. Et on ouvre sur ces repères-là. Je vais vous le noter sur un petit bout de papier, que vous ayez le temps de marquer, parce que sur le papier vert, on ne voit pas grand-chose. 1 cm en bas, 1 cm en haut, 1,5 à droite, 1,5 à gauche. Ensuite, du bord, il vous faut un deuxième marquage à 2,1, c'est pour la deuxième fente. Et le troisième, il se trouve à, j'ai dit, 3,2. 3,2, ça c'est votre marquage du bas. Et en largeur, on a 1,5, donc 1 cm sur le bord. Ensuite, 1,5 de large, pardon. Sur la largeur, on a 1,5. Ensuite, on a 4,6. Et sur le troisième, 7,8. Voilà. Un coupé à 1,5, un à 4,6, un à 7,8. En haut, on a 1 cm. En bas, on a 1 cm. Et là, on a 2,1 et 3,2. Voilà. Une fois que vous avez ouvert votre papier, on va pouvoir venir y glisser nos espaces photos. Alors, on n'a pas oublié de biseauter notre pâte d'encollage. Alors, je vais retirer ma page pour ne pas mettre de la colle dessus, bien évidemment. Alors, je commence toujours par celui qui va se trouver en dessous. Et on vient de l'encoller. Ensuite, on vient positionner le deuxième. Les bonnes traces de colle tout de suite. Et on vient positionner le dernier là-bas. Pas sorti mon pinceau, j'ai encore mis ma colle à la main. Je suis tout de suite maîtresse de colle.
Voilà, ainsi j'ai mes trois rabats mis en décalé et avec des espaces réguliers. Comme ça. Hop. Et on va venir les positionner sur notre page. Alors sur ces rabats, je n'ai pas mis d'aimant puisqu'ils sont à l'intérieur et qu'ils seront fermés par notre page déjà. En train de réfléchir si on mettait des aimants, mais c'est pas utile. Vu là où sont placés les rabats. J'essaye de faire des économies d'aimants, autant pour moi que pour vous. Je vais finir par avoir la manche dans la colle. Voilà, et on vient positionner notre page. On ne se met pas à l'envers, bien évidemment. On mettra sa place. Voilà. Voilà, j'ai rien oublié. On a notre espace de gauche avec notre bande passante. Ici, on aura nos trois espaces photos. Notre rabat s'est collé. On va passer au dos. Alors, pour le dos de cette page, j'ai choisi de mettre ce papier, mais bien sûr pas dans ce sens, mais le côté dos. Je vais me dire, c'est dommage de cacher un beau papier comme ceci, mais même si je le mets comme ça, on n'en voit pas le dessin. Et comme au-dessus, on aura déjà un dessin, je préfère mettre les fleurs dessous, comme j'ai fait pour les autres pages. D'ailleurs, on a utilisé les versos de certains papiers. Sur le milieu, je reprends donc ce papier pour venir mater notre bande passante. Et dessus, le morceau de gauche, je le récupère. Par contre, j'ai pris une autre page, c'est ce morceau que j'ai récupéré pour mettre ici. Et on va venir coller notre espace photo comme ça dessus. Donc on va déjà en coller notre papier du fond, sans oublier de venir y passer notre petite languette. Alors on aurait pu aussi, hein, sur cette page-là, effectivement, j'y pensais tout à l'heure, on aurait pu prendre deux chutes et économiser cette page. Mais je n'ai pas de chute de ce... Ah, quoique, je reviens. J'en ai une.
j'ai une chute du grand papier A4 qui est le même, mais je vais peut-être pas avoir assez de largeur pour faire les deux. Bon, c'est surtout que là, je vais avoir un extérieur et là, je vais avoir le morceau coupé. Et on reste sur cette page. En plus, non, c'est pas le même. Après, rien ne m'empêche de couper deux bandes et d'économiser le milieu, mais bon. On va laisser la page entière pour que ça ne gêne pas quand on enfile la carte en dessous. Tant pis. Je déteste encoller ces jolis papiers. J'adore cette image en plus sur la fenêtre là. Et ce papier mauve. Mais bon, il faut faire un choix. Pour faire cet album, on n'a pas le choix parfois d'utiliser les versos des papiers. Les rectos et les versos, pardon. Je vais y arriver à m'expliquer. Alors, je viens poser mon papier. Je ne le fixe pas complètement pour pouvoir venir glisser ma petite bande de mon rabat dessous. Ah. Hop. Alors, avant de fixer, vérifier que je sois droite. 3,5. Je vais essayer d'ouvrir mon papier devant pour ne pas tout écraser. Voilà. Je mets la colle sur ma table, je vais salir mon album. Papier, j'ai mal mes mains ce soir. J'allais dire comme tous les jours, mais avec des jours plus ou moins importants. Et là, j'ai vraiment très mal. Excusez-moi. Il est temps que je m'arrête pour ce soir. Voilà, on va en coller donc notre bande de papier. Ici, je vais finir puisque j'ai pratiquement terminé. Je ne vais pas vous laisser en plan. Juste sur ceci. Encore un petit effort et on aura terminé cette page. En petite précision, il est très tard. Il est 2h du matin, je crois. 1h14. Pas raisonnable du tout. Demain, il faut que je me lève, j'ai les enfants qui viennent. J'avais dit que je me coucherais tôt. Moi, c'est tôt hein, si on se place du côté du matin. Voilà. Alors, je place bien mon papier entre mes deux bordures dentelles. Je vais le mettre au milieu. Et je vais venir positionner. À l'endroit. Je vais venir me coller comme ça dessus. Alors, je vais positionner mon papier avant, ça sera plus simple. Alors, c'est. Je ne vous ai pas donné la mesure du papier, je vais vous donner ça, pardon.
Je vais vous donner la mesure du papier que je viens de coller sur la bande passante. Et là, c'est un espace photo, donc il est coupé à 10,6 par 15,6 pour un espace de 11,16. 10,6, 15,6 pour celui-ci. Je vais me centrer. Voilà. Et ce papier, donc on a la hauteur de notre page et de largeur, je crois, on a 11,4 de largeur pour ce papier. Là, c'était le papier entier, bien évidemment. Et là, on a 11,4. Et là, 10,6 pardon, par 15,6. Et on va venir positionner notre espace photo comme ceci au milieu de notre bande passante. Donc on se situe, on se centre en largeur, on n'a pas grand chose, on a un petit millimètre de papier à peine de chaque côté. Et en hauteur, on doit avoir à peu près l'espace de 3 découpes dentelles, de 3 petites fleurs. Même pas 2, 2,5, un peu plus de 2. Sinon, vous mesurez pour vous mettre à peu près au milieu. Je prends la colle forte sur les bords pour être sûr que ça adhère bien. Et que ça adhère assez vite. Finir ce tube et il va aller à la poubelle. Je suis en bout. Le problème, c'est quand on le remet debout, il faut attendre que la colle redescende quand on arrive au bout. Voilà. Et là, on vient se positionner. Comme ceci. Alors, je vais ouvrir pour avoir plus facile à venir appuyer. On va coller mon espace photo. Pas de débordement de colle. Hop. Alors on revient sur le devant de notre page. On a notre bande passante. Ici on a nos trois espaces photos. On pourra mettre également une photo ici. Moi je ne l'en mettrai pas pour ne pas cacher cette partie du dessin. Devant c'est pareil, je n'ai rien mis sur mes pages pour ne pas cacher. Et au dos, on a notre espace photo comme ceci. Et ici, on aura la place pour mettre un grand livret. Voilà, pour cette cinquième page est terminée. Je vous reprendrai demain soir, puisque demain, j'ai mes petits-enfants et mes enfants. Je vous reprendrai demain soir pour faire les livrets et finir les petites parties qu'on a à coller sur les papiers des premières et deuxièmes pages. Je crois que j'attendais les chutes pour les finir, si vous vous souvenez. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne nuit, puisqu'il est maintenant 1h20 du matin. Oui, je vous mens pas, donc on va vite aller faire dodo. Et je vous retrouve demain soir. Bonne nuit à tout le monde, et à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et à me laisser un commentaire. Je vous retrouve rapidement. Au revoir.